Le numéro 15 s'appelle Fatal Doc, une femelle née le 25 mai. Il nous est présenté par Jean-Manuel Charme. Il vient de 87. Frisson du Pécos, une nouvelle fois, les talons qui, pour l'instant, marquent de son empreinte ce concours du Grand Chelem 2000. Allez-y, on va marcher. Ah oui, c'est... Non, mais... Est-ce que je... Frisson du Pécos, c'est d'ailleurs le père du numéro... du vin numéro 10 qui a remporté la première section de ce concours. Frisson du Pécos, c'est Magda des Landes par Hurling, est une nièce de Cargès des Landes et Lata Fanel. Cargès des Landes, un champion très célèbre en course puis étalon. 13 victoires pour Cargès des Landes. On va revenir. Milata Fanel, qui a remporté moins de succès, deux, mais beaucoup de place, et un classique, le prix d'élevage des emplois arabes à la tête. Pourtant, la grand-mère, Margot Tenue, elle aussi, a été une vedette, gagnante de classique à l'occasion du Grand Prix des Pouliches à 50% à Tarbes, ainsi que le prix de sélection. On va te compter, s'il vous plaît. Frisson du Pécons, donc, et la mère par Hurling, la grand-mère est par Terrillon. Jean-Michel Charles, qui nous présente cette Fatal Doc à 53,62%. Cinquième produit de la mer.